Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, bonsoir. On va dire tout simplement que ces événements se déroulent à l'instant présent en direct sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la première demi-finale de Faso Academy depuis le Sénaza. Bonsoir, cher public. Permettez-moi ce soir, amis téléspectateurs, de planter le décor musical. Vous le savez, demi-finale tout en live. Et ce soir, nous avons le Django System avec nous. Bila Kakora, oui, l'artiste musicien de renom de notre très cher Burkina Faso que nous connaissons tous, a accompagné les 8 demi-finalistes à travers la direction artistique pour préparer ces demi-finales. Mais ce soir, nous allons inviter, dans leur jargon, on dit tout simplement les musicos. Il s'appelle Arsène Rwamba, c'est le batteur de Django. Arsène Rwamba va accompagner cette belle édition ce soir, cette demi-finale avec quelque chose. N'est-ce pas, Arsène? Il sera accompagné par un grand monsieur, très connu au Burkina Faso et même au-delà de nos frontières. Il assure la guitare basse dans le Django System. Il s'appelle Serge Koulibaly. On l'accueille. Il n'est pas seul comme guitariste. Deux guitaristes vont nous rejoindre à l'instant présent. Mesdames, Messieurs, on va accueillir Sankaré Seydou et Sébastien Bélève, les grands noms de la guitare au Burkina Faso. Thank you.
vous le savez bien, pour cette première partie, ce sont ces musicos qui vont accompagner les candidats. Sinon, pour la seconde partie, il y a des musiciens qui vont nous rejoindre. Je vais vous demander de les saluer par des applaudissements. Au cœur, on a Charlotte Tindelbergo. Toujours au cœur, il s'appelle Frédéric Zongo. À la percussion, chers téléspectateurs, vous allez constater tout à l'heure, un grand percussionniste, membre du Django System, il s'appelle Elvis Par-Devant. On va l'applaudir, hein? Elvis Par-Devant. Et enfin, membre du Django System, toujours à la percussion, comme on le dit, il s'appelle Albert Papon. Albert Papon. Chers téléspectateurs, j'ai présenté le Django System avec Elvire Bandé et Jean-Yves Bayala. Dans le jargon musical, ces deux sont des requins ce soir. Ils vont accompagner le Django System. Je vais vous demander de faire du bruit pour tous. Et si je vous disais, ce soir je ne suis pas seul, c'est avec grand plaisir que j'annonce ma consoeur de tous les soirs, joliment habillée. Oh, elle est toute sublime, elle s'appelle Aceto Huetraogo. Bonsoir Aceto. Alors, on va voir le micro de Aceto. Je pense que maintenant c'est bon. Oui. Alors, on va utiliser mon micro en attendant. Aceto, bonsoir. Bonsoir Nixon et bonsoir également à vous, cher public. Et bonsoir également à tous ceux qui sont chez eux, calés devant leur télévision et qui nous regardent au Burkina Faso, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Parce que la RTB, elle est internationale. Alors, Aceto, permets-moi de voir ton micro, parce que là, ce qui va venir, on va le faire en duo. Voilà, je pense que maintenant ça doit pouvoir aller. Est-ce que ça va, ton micro? Mon micro, ça va. Il marche, il est bon maintenant, merci. Il est formidable. Formidable, et merci également à la régie. Alors, on va dire bonsoir aux membres du jury qui vont se lever. Chacun à son tour. Vous allez les connaître. Pour ces demi-finales, nous avons celui qu'on appelle Damien Ciumbiano. Il va se lever. Il est accompagné d'un grand arrangeur dans le monde de la musique au Burkina Faso. C'est un nom que nous connaissons tous. Mesdames, Messieurs, voici Yves de Bemboula. Quand on dit la voix, chers téléspectateurs, en matière de musique au Burkina Faso, on fait toujours allusion à ce monsieur. Je l'appelle affectueusement Tonton Aloïse Nikema. Alors, assez tôt ce soir. Ce soir, ce sera chaud, 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 chaud. Nous avons quatre candidats.
quatre candidats pour cette première manche des demi-finales de Faso Academy. Et si on partait présenter les candidats à tout le public ainsi qu'aux téléspectateurs? Exactement, et ce soir nous avons Elisa Baliza Honorine de Ouagadougou. Elle arrive. Voilà. Elle nous rejoint. Elisa Baliza. Elle est très belle, on applaudit pour elle s'il vous plaît. Merci. Elisa Baliza, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? La forme y est pour ce soir? Ouais, je crois. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de spécial pour toi? Ah, je l'espère en tout cas. Je crois que je vais donner le meilleur de moi-même. Est-ce qu'on te regarde à Kigali, au Rwanda? Ouais. À Lomé aussi. Ouais, tu es sûr ou t'es pas sûr? On te regarde partout en Afrique et même dans le monde. Merci, Elisa. Baliza Honorine! Lui, c'est un jeune garçon. Chers téléspectateurs, il est de la ville de Ouagadougou. Il s'appelle Jonathan Wendlaoro. Accompagné d'un fan club énorme, hein? Alors, Jonathan, comment tu vas? Très bien. Ben, t'es super bien élégant ce soir, hein? Merci. Merci beaucoup, vous aussi d'ailleurs. Ben, merci. Elle est là? Je crois, oui. Je crois, oui. J'espère qu'il n'y aura pas de problème après. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, tu es prêt pour ce soir? Oui, absolument. Le track? Beaucoup de track, oui, parce qu'on chante devant la famille qui sont, ils sont venus pour me supporter. Merci vraiment, les amis. Merci. Un vrai fan club hein, pour lui. Ben, écoute, nous te souhaitons bonne chance. À tout à l'heure alors. À l'heure. Alors. Amis téléspectateurs, on va se rendre à Manga. Manga nous a rejoint à Ouaga et il s'appelle Kemptoré Dodo. Bonsoir Théodore. Bonsoir Nixon. Comment tu vas? Oui, bien. On a le track un peu? Oui, juste un peu. Mais est-ce que ça va aller ce soir? Oui, je crois bien, ça va aller. On peut dire bonsoir à quelqu'un qui regarde la télévision actuellement? Oui, voilà, je fais un coucou spécial à toute ma famille ici à Ouaga, à Manga, à Twessé, tous ceux-là qui me reconnaîtront, à Côte d'Ivoire, tout, voilà, tous ceux qui me reconnaîtront. Coucou à vous. Merci. Et oui, et enfin, nous allons appeler la dernière candidate pour ce soir, c'est Sapsore Deborah qui nous vient de Tienkodogo. Wow! Elle est belle, hein? Deborah, bonsoir. Oui, bonsoir, Nisson. Qu'est-ce que tu dis au public ainsi qu'aux téléspectateurs? Alors, je les dis bonsoir et je les dis que je les aime eux tous. Que Dieu les bénisse. Mais on n'a pas le trac, hein? Ça va? On est sûr? Ça va? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. À tout à l'heure. Merci de l'accompagner. Alors... Oh, j'adore le live, Ouais, très bien. Et on applaudit s'il vous plaît pour tous et pour ce merveilleux live que nous allons vivre ce soir avec nos professionnels et les candidats ici présents. Merci. Alors, assez tôt, je pense que nous connaissons les membres du jury, nous connaissons les musicos, nous connaissons également les candidats. Est-ce que nous connaissons les chansons pour la première partie de la compétition? Vous connaissez les chansons? Oui ou non? D'accord, ils ne connaissent pas, alors je pense qu'on va les aider. On va les aider? Exactement. Alors, chansons imposées aux filles d'abord.
chanson imposée aux filles. Je vous dis Whitney Houston, I will always. Non, c'est pas ça. Oui, je sais que tu m'aimes beaucoup. Justement, mais laisse-moi, je voulais voir. I have nothing. Non, c'est I will always love you. No, I have nothing. Si, c'est nothing. I will always love you parce que je vous aime tous ici présents. Voilà. Merci beaucoup. Je pensais que c'est moi seul tu aimais. Mais bon, d'accord, non, c'est pas grave. T'es pas garçon facile, donc c'est pas la peine. C'est I have nothing. I have nothing de Whitney Houston, qui est la chanson de la bande originale du film Bodyguard que tous ici, je suis sûre et certaine, avons déjà regardé. Voilà. Et ensuite, c'est une chanson imposée aux filles. Mais quant aux garçons, ils viendront chanter. Mais je sais pas, je sais que tu parles bien espagnol assez tôt. Aide-moi avec la prononciation du titre. Coleccionista de canciones de Camilo. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Coleccionista, c'est collectionneur de canciones de chansons. Simplement, une belle collection de chansons. Et c'est un groupe Camilia. Et il faut dire que c'est une chanson extraite de la bande originale d'un film de telenovela. C'est deux visages. Vous vous rappelez? Anna. Ah. Voilà, les filles connaissent parce que. Les filles connaissent. Peut-être ont... que vous n'avez pas laissé les mamites brûler à cause de oui, ça. Oui, elles ont laissé nos mamites d'accord. brûler à cause de ça. Et je pense que le directeur artistique Alfred Ouedraogo l'a choisi et pour qu'on. On revive encore ces moments parce que le film est passé sur les antennes de la télévision du Burkina. Donc, assez tôt, je pense qu'au fur et à mesure, nous allons connaître les autres chansons. Exact. Et si on plantait tout le suite, décor de la compétition? Très bien. Et donc, nous allons tout de suite démarrer sans tarder. Et la première, le premier candidat que nous allons recevoir, c'est Elisa Baliza Honorine pour la chanson imposée de Whitney Houston. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, ne soyons pas avares. On l'applaudit, on l'accompagne. Merci beaucoup. Thank you.
Lisa Baliza Honorine. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Nous sommes là. Et tu es prête pour écouter les membres du jury? Oui, je suis prête. D'accord. Nous allons écouter les membres du jury, les observations face à cette présentation, cette prestation de notre candidate. Oui, nous vous écoutons. Alors, Elisa a une voix bien expressive et elle aborde assez facilement les aigus. Et au niveau de la présence scénique, je ne sais pas si c'est dû au micro, n'a pas beaucoup bougé, mais ça n'a pas entaché sa présence sur la scène. Alors moi, je lui donne 8. Merci. C'est dame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Elisa Baliza, c'est une chanteuse qui a beaucoup d'avenir. C'est une chanteuse qui est très présente sur scène, malgré sa, excusez-moi du terme, sa petite taille. Mais oui, c'est vrai qu'elle a, elle a du coffre. Et je crois que si elle travaille bien cette puissance vocale-là, elle va aller très, 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 très loin. À part ça, je dirais que c'est peut-être dû un peu, pas au trac, mais je dirais, il y a un peu d'engouement aussi du côté des musiciens. Je pense qu'il faudrait essayer de nuancer quand les chanteurs chantent. Il faudrait essayer de les baisser un peu parce que tous les chanteurs n'ont pas des voix aussi puissantes. Voilà. Ce sont les remarques que j'ai eu à faire. Moi, ma note pour Elisa, c'est 7. 7. Yves. Alors, je suis encore de retour. Depuis 2008, on va dire, encore le plus difficile, elle est là. Mais je ne serai pas difficile. Parce que je dirais que Elisa a eu la bonne technique pour aborder le chant avec toute une douceur. Malgré qu'il n'y avait pas des effets spéciaux qu'il y a eu sur la chanson initiale même, elle a eu de la bonne technique et bonne synchro, maîtrise du texte. La présence scénique, je dirais que on n'a pas senti l'émotion dans son corps. C'est la seule chose. Mais pour moi, tout était parfait. Et je donne 8. Merci. Alors, nous avons 8, 7 et 8. Voici les premières notes de notre très chère candidate. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre demi-finale de Faso Academy. Et avant de poursuivre, avec votre permission, je voudrais faire un coucou à monsieur le directeur de la TNB. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et merci également pour cette superbe émission que vous offrez à la population burkinabé et également à tous les burkinabés hors du Burkina et également à tous ceux qui nous regardent sur le satellite. Alors, on applaudit beaucoup pour Faso Academy, s'il vous plaît. Merci, ça fait plusieurs années que cette émission existe et vous êtes tous là parce que vous aimez beaucoup cette émission. Nous poursuivons tout de suite et cette fois-ci, nous allons recevoir le prochain candidat, c'est Wedrogo Jonathan de Ouagadougou qui va nous interpréter la chanson Coleccionista de canciones de Camilla. Merci. Descubrí el sentimiento.
motive la illusion de m'existir tan solo tú. Solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás en mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo, amor. Oh, yeah. Tú, coleccionista de canciones, mil emociones son para ti. Sueñe en vida entera, quiera tener ya, y hazme sentir, y así. Je ne vais pas te demander comment ça va, parce que ça se voit avec ton fan club. Bien. Estás muy bien. Yeah. Hablas español? Un poco. Un poco? Yeah. Eh bien. ¿Podemos seguir? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Seguro. Bueno, vamos a hablar en francés para el público. Sí.
Ça marche. D'accord, merci beaucoup. On était juste en train de se taquiner. Je lui demandais si tout va bien. Il dit ça va et qu'il peut parler espagnol. Je lui dis on va poursuivre en français pour vous, pour ne pas vous embrouiller. Alors, vous êtes bien content? Alors, nous allons aller vers les membres du jury. Tu es prêt? Je suis prêt. D'accord. Alors, nous écoutons les membres du jury pour les observations suivies des notes. Bonsoir, Monsieur Jonathan Ouédraogo. Bonsoir. Très belle prestation. Très bien habillé. Très belle présence scénique. Par contre, il faudra faire très attention. Quand vous êtes en duo avec la choriste, il faut faire... Enfin, je ne dirais pas que vous chantez faux, mais il y a des petites imperfections qu'il faudra corriger. À part ça, je pense que tout était pas parfait, mais bien. Voilà. Moi, ma note sera 7 sur 10. 7! Merci. Première note. Alors, moi, je vais d'abord m'adresser à la régie, à Benjamin, s'il peut monter légèrement le micro du lead, ça serait bien. Maintenant, je m'adresse à Jonathan, super bien habillé, un gros charmeur. Ben ouais. Un gros charmeur. Je m'incline. 9. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. On va écouter la dernière observation du jury, s'il vous plaît. Corée-Louise, nous vous écoutons. Alors, Jonathan, au point de vue expression vocale, il a respecté les nuances même du chanteur. Au point de vue respiration, en tant que formateur de voix, je ne suis plus exigeant pour la respiration. On m'a même dit que le chanteur respire comme ça. Alors, si bien que je ne suis pas exigeant, alors Jonathan a une bonne présence. Je ne vais pas répéter ce que les autres ont dit. Je lui donne 8. Merci. 7, 9 et 8. Alors, Jonathan, merci beaucoup. Et nous allons poursuivre. Alors, gracias. Tu peux aller te changer. Gracias. Hasta luego. Un vrai fan club pour lui. Et nous poursuivons la compétition. Et cette fois-ci, le prochain candidat, c'est Kiem Toré Théodore, qui nous vient de Manga, toujours pour cette interprétation de la chanson de Camilla. Merci. Estaré canciones, dame raciones para vivir. Tú, la veña de mi sueño, quédate necio y hazme sentir y así. En tu oriste yo podré descubrir el sentimiento eterno. Tú, con la luna a la cabeza, el lugar donde empieza, el motivo, la ilusión de mi existir, dando solo tú. Quiero que seas tú, a mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente.
sueño quedan tenés yo y hazme sentir y así ir transformando la magia de ti en tu respiro del alma. Collectionniste de canciones, la version de Théodore Kemptoré. Qu'est-ce qu'on fait encore pour lui? Messieurs les membres du jury, on vous écoute. Ok. Théodore, beaucoup de souffrance. Je l'ai senti en chantant parce que on sentait que avec tous les cordes, les nerfs du cou qui sortaient. C'est comme si c'était très haut pour toi. Pas de bonne maîtrise des nuances, parce que tu étais beaucoup concentré aussi sur des trémolos qui te faisaient sortir un peu par moment. Pas très juste. La présence scénique était pas vraiment... Ça ne m'a pas emporté. Je suis désolé de le dire, ça ne m'a vraiment pas emporté. Alors, je te donne la note de 6. 6, selon Yves de Bemboula. Bonsoir Théodore. Bonsoir. Une fois de plus, tu m'as convaincu que tu es un chanteur d'avenir. Merci. Je le dis parce que tu as des réflexes, tu as des attitudes sur scène qui ne trompent pas. Voilà, moi je suis dans ma 39e année de musique.
on ne me fait pas ça. Voilà. Je te félicite. Par contre, je te fais une petite remarque. Il faut faire très attention à l'articulation. Il y a quelques passages seulement où tu n'articules pas très bien. À part ça, je crois que pour moi, en tout cas, ça peut aller. Mais tu sais, je suis un peu difficile. Je ne donne jamais 9. Pourtant, on a vu un 9. Oui, mais c'était exceptionnel. Ce soir, je donne à Théodore 8. 8 merci. Aloïse Nikema. Alors, je ne vais pas beaucoup répéter ce que les autres ont déjà dit. Je vais relever qu'il y a quelques petits manques de justesse quelque part, à certains niveaux. Et sa voix est forte, tellement forte qu'il n'arrive pas à la maîtriser comme il faut. Il essaie de maîtriser la voix. Alors, il manque un peu d'émotion à sa voix. Je lui donne 7. 7. Merci. Merci. Attendons qu'il va revenir, il va aller juste se changer. Amis téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes en direct sur les antennes de la télévision du Burkina. La première demi-finale de Faso Academy, édition 2017. Il est bon de rappeler que seules les 5 meilleures moyennes auront accès à cette grande finale le 14 octobre prochain, ici même au Sénazaï, en direct sur les antennes de la télévision. Nous allons poursuivre en changeant la musique. Le temps de retrouver cette dame qui est née le 9 avril 1963 à New Jersey, c'est aux États-Unis d'Amérique. Elle est décédée finalement le 11 février 2012, à l'âge de 48 ans. Mais il faut dire qu'elle a émerveillé le monde de la musique. Oui, un peu partout, il s'agit de Whitney Houston, I Have Nothing, chanson reprise ce soir par les académiciennes. Voici Deborah Zapsoré. Thank you.
Ça se passe ici au Sénaza en direct. Alors, public, vous avez aimé? On va l'encourager encore. Candidate de Tenkodogo, chers membres du jury, on vous écoute. Expression vocale, c'est très bien. Et au niveau des modulations, ce n'est pas facile de moduler, mais elle s'est bien défendue. Alors, elle a mis de l'émotion dans la voix. Elle avait une bonne présence sur scène. Moi, je lui donne 8. 8. Aloïs Nikema. Ensuite. Bon timbre vocal. Bonne nuance. Bon souffle. Bonne prestation scénique. 8. 8. Yves de Bemboula. Ensuite. Oui, Zabsonré Deborah. C'est une fille qui fait ce qu'elle veut de sa voix. Elle maîtrise vraiment sa voix. Elle en fait ce qu'elle veut. C'est un très bon atout. Je ne vais pas revenir sur tout ce que les autres ont dit. Je lui donne 8. 8. Merci. Déborah Zabsonré, avant de poursuivre, je pense que je vais poser une question, amis téléspectateurs, chaleureux public, à Jean-Yves Bayala. C'est important. Monsieur Jean-Yves Bayala, est-ce que vous pouvez nous rejoindre sous vos applaudissements bien nourris, s'il vous plaît? Je pense que, tout comme les musiciens, il a suivi ses candidats, ils ont répété. Est-ce que vous avez une satisfaction après ce premier passage? Oui, Nixon, je suis particulièrement fier de ces jeunes que nous avons eu accompagnés depuis le début. Et à cette étape, donc, les choses sont devenues beaucoup plus sérieuses. C'est pourquoi je ne peux pas passer sous silence l'encadrement de Bill Akakora et son groupe que je vous demande d'applaudir très fort. Parce que je crois que le Burkina peut être fier de ses musiciens et de Bill. Alors, donc ça a été un grand plaisir pour nous de les accompagner encore avec l'encadrement vocal et technique de Bill Akak. Oui. Et je crois que la satisfaction est grande parce que au début, il y avait des petits problèmes techniques de la voix. C'est tout à fait normal. Vous voyez que les morceaux sont de taille, c'est très compliqué. Et c'est pas aussi simple, mais avec l'encadrement, avec donc la technique vocale également de Monsieur Aloïs, et je crois que ces enfants ont beaucoup gagné, non seulement en technique, mais aussi en assurance sur la scène, parce que tu peux bien chanter, si sur la scène tu n'inspires pas confiance, si tu n'établis pas le contact, n'est-ce pas, avec le public, rien ne va du tout, ça ne peut pas avoir un bon fruit. Et alors, Bill Akakora, Aloïse, moi-même et Elvire Bandé, je crois que nous avons mis toutes les munitions, nous avons épaulé tous les fusils pour que ces enfants aient vraiment le maximum et qu'ils soient excellents. Merci beaucoup. Voilà. Jean-Yves Bayala, merci à vous. Amis téléspectateurs, nous allons poursuivre. Mais c'est le temps pour nous d'inviter un artiste musicien, le temps de permettre aux quatre académiciens de ce soir de s'oxygéner un peu avant la deuxième partie de la compétition. Il s'appelle tout simplement Charles Boena. On va découvrir sous vos applaudissements. Bonsoir public. Ça fait sept ans maintenant, j'ai été ancien académicien et on m'appelait Charles de Manga. Donc, c'est un plaisir pour moi de revenir sur cette scène et pour vous offrir un des tubes de mon album. Merci et bonne écoute à vous. Mon éri, Weninga, mon éri. Salinge Moneri Naba Weninga Ramoneri.
s'aligner. Charles Boena, un peu plus d'applaudissements, s'il vous plaît. Du coup, on va faire un clin d'œil à nos partenaires à travers ceci. L'identité culturelle est un précieux trésor qui se transmet de génération en génération. Avec vous, nous partageons la même histoire, la même culture, les mêmes valeurs. Bonatel, c'est un esprit d'écoute,
de proximité, de stabilité, de convivialité, de générosité, de partage, de développement. Parce que chez Onatel, le seul changement qui vaille, c'est le progrès en continu, au fil du temps, de génération en génération. C'est pourquoi nous investissons plus de 70 milliards chaque année au profit de nos abonnés, dont 30 milliards pour l'achat d'équipements. Car le progrès n'a de valeur véritable que lorsqu'il est partagé avec tous. Votre histoire est la nôtre. Nous restons leaders tout en restant Onatel. Onatel un jour, Onatel toujours. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Besoin de matériel électronique de qualité, plus d'inquiétude. À Ouagadougou, Somaf Informatique vous assure la meilleure qualité du marché pour tout appareil de marque Toshiba, Canon, Sharp, HP, LG, Lenovo, Acer, Samsung et Epson. Somaf Informatique, c'est des téléviseurs, écrans LED, appareils photo, ordinateurs, par exemple l'ordinateur portable Intel iCore avec 4Go de RAM, 500Go de disque dur à partir de 185 000 francs CFA, plus sac et souris offerts. Des smartphones, caméras de surveillance, imprimantes, encre et bien d'autres consommables. Chez nous, à Somaf Informatique, c'est un service après-vente. Des chargés de clientèle vous accueillent et vous dirigent dans un cadre agréable. Pour vos besoins en meubles de bureau ou domestiques, faites un tour à Somaf et laissez-vous séduire. Somaf n'oublie pas les tout-petits. Des tablettes originales à partir de 30 000 francs CFA vous attendent. Au Burkina, la qualité en matière électronique a désormais un nom. Somaf Informatique. Somaf Informatique, avenue Yenenga, à côté de l'hôtel Palm Beach Annexe. Poursuivons toujours cette compétition de demi-finale de Faso Academy. Et oui, ce qui va suivre maintenant, c'est l'autre partie de cette émission. C'est-à-dire que nous avons fait un tour avec Whitney Houston, nous avons fait un tour avec Camilla et nous allons revenir au Burkina Faso. Oui, nous revenons au Burkina Faso parce que la chanson que les candidats vont interpréter maintenant, c'est une chanson imposée aux filles et aux garçons. Et c'est une chanson de notre très, très, très grand artiste, Bill Akakora. Et la chanson, c'est Weki. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir tout le Django System ici réunis et qui vont accompagner en live les candidats pour leurs prestations. Et avant de continuer avec les candidats, juste une petite surprise pour vous parce que je voudrais partager quelque chose avec vous, mais je ne suis pas seule. Je veux appeler Nixon à me rejoindre ici et je demanderai au Django de nous accompagner également parce que nous avons juste une petite surprise. Nixon, tu as dit que tu sais danser. Tu as dit que tu vas danser pour le public. Alors tu m'as dit de t'appeler. Je t'ai appelé. Montre-nous ce que tu sais faire. Hein? Montre-nous ce que tu sais faire. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. On lui donne de l'énergie Django. Bill, 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 Bill. Merci. Oui, qui dit mieux? Voilà, nous sommes là. Et oui, nous poursuivons. C'était juste pour détendre un peu l'atmosphère. Parce que je voudrais dire merci également à Bill Akakora qui est le direct. Bill Akakora, Bill, Coca-Cola, Bill, Django System, Bill. Je suis embrouillé, Bill. Je dis comment? C'est beau comme ça. Bon, ok. Mais aujourd'hui, là, tu as un grand poste ici, non? Et c'est quoi? Je viens te donner le micro.
Ah, il faut que tu parles parce que je suis sûre que tu as plein. Si vous êtes fan de Billa Kakora, applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Un mot pour le public. Merci au public de soutenir les candidats. Moi, j'ai un rôle, mais je ne suis pas seul. Je suis avec toute mon équipe. Donc, c'est toute l'équipe qui a bien travaillé. Et puis, merci à la radio-télévision du Burkina de me faire confiance. Et merci aux collaborateurs qu'on a eus. Ça s'applaudit. Merci beaucoup. Et nous poursuivons. Merci beaucoup, Abil. Merci également à tout le Django. Merci à tous d'être ici présents. Et merci également à vous, chers téléspectateurs qui sont calés chez vous en train de nous regarder ici. Nous sommes en direct au Sénaza. Et tout de suite, nous allons poursuivre avec notre première candidate, Elisa Baliza Honorine, pour l'interprétation de Weki de Bill Akakora. Merci. Wekina mama duchonga, duchonga yo, logo mama. Wekina mama du nyuro yo, jige mama, ndre ngwana dukwai. Jano vi dukwavu, ndre ngwana dukwai. Jano vi Pam ni bay ba matunga Yam la na kasika babam la na ka babam mama eh Yam la na kasika babam la na ka babam mama Banywa baduna banaka Oh,
Honorine qui a fait un voyage tout de suite au pays Kasséna. Alors, comment tu te sens? Bien. Ça va? Oui, ça va. Tu sais, tu es partie subir la Kakora. Hein? Oui. Hein? Et tu es contente? Oui. Tu vas rester là-bas? Mm-hmm. On va te trouver une jolie case. Tu sais, les femmes, ce sont elles qui décorent, qui font la peinture des cases là-bas. Ah, ben c'est intéressant. Bon, Bill, je crois qu'on a une visite touristique à faire le week-end avec elle. Et comme ça, elle pourra parler de notre très cher pays, le Burkina Faso. Merci beaucoup. Alors, on va écouter les observations du jury. Sindam. Ah, ok. Yves. Akakora au Honorine. Je dirais. Ouais. Nouveau nom de baptême. Hein? Oui, Akakora Honorine. Je suis vraiment surpris. Oui, parce que c'était. Moi-même, quand j'écoute le morceau de Bill, je me demande comment est-ce qu'on peut interpréter. Ah. C'était super bien. Là, le timbre vocal, il est sorti. Il était super. Bonne nuance, justesse, super. Le texte, bon, je ne sais pas, je ne comprends pas, donc, mais je suppose que c'était bien. Présence scénique, bon, ce n'est pas vraiment du Bill, un peu, elle a essayé de se débrouiller, c'est pas mal. On va l'amener au village et puis ça va bien se passer. Je donne 8. Merci. 8, merci. Alors, Honorine, au point de vue présence, il manquait un petit quelque chose, point de vue présence. Alors, nous considérons souvent le public comme la chérie ou le chéri de ceux qui sont sur scène. Alors, quand on est sur scène, on doit tout faire pour séduire son chéri. Alors, elle chantait en regardant plus ou moins en bas. Bon, c'est pas un gros problème. Moi, je te donne 8. Merci. 8. Oui, en plus de ce que mes prédécesseurs ont dit, je dirais que Elisa Baliza, on sent qu'elle n'a pas l'accent, c'est sûr, elle n'est pas roots comme Bill Akakora. C'est normal parce qu'elle n'est pas du pays et puis elle ne comprend pas très bien la langue. Mais elle s'est bien descendue, elle a chanté juste. C'est comme on dit les deux, hein, présence scénique, c'était pas tellement ça, mais ça se comprend, puisqu'il faut qu'elle se concentre sur une langue qu'elle comprend pas. Donc moi je pense que pour l'encourager, moi je lui donne 8. Merci. Et voilà, tu as tes 3 notes, 8, 8, 8, et nous te souhaitons encore bonne chance pour la suite. Nous allons poursuivre et je voudrais simplement souligner que pour l'interprétation de cette chanson dans le Django System, nous a rejoint au chœur Charlotte Tienderburgo, sous vos applaudissements, merci beaucoup. Frédéric Zongo, également percussionniste, Elvis Pardevant, merci. Et Albert Bapo. Et nous poursuivons, et cette fois-ci nous appelons Jonathan Wedrago pour Weki. Wekina maru changa, ju changa yo, loro mama. Wekina wadu nyonyoro mu, ju nyonyoro nyo, jege mama. Ndre ngwana tigwai, jana vie tigwavu. Kana do, ayu ayu na ayu la kana do, ayu ayu na ayu la kana.
Sadik Bedi, Madul Baya, Niwewa we, Kuda we na besuna. C'est une chanson très bien orchestrée par le Django System. Mais est-ce que c'est bien chanté comme il se doit, chers membres du jury? Là, c'est le public qui répond. On va écouter les membres du jury. Alors, merci à Jonathan pour son jeu de scène. Merci. Il imitait la guitare qu'il jouait, il imitait les tambours, les tam-tams. C'est une bonne prestation scénique. Alors, dans l'ensemble, pour ne pas traîner dessus, tu as eu une bonne prestation. Moi, je te donne 8. 8. Merci. Bonne prestation. Félicitations. Mais je dirais de faire très attention à tes nuances, à ta justesse. Et je donne 8. 8. Merci. Jonathan, à chaque fois que tu cries haut dans le morceau, ça n'atteint pas la note. En plus de cela, quelques phrases, en fin de phrase, il faut faire très attention à la justesse. Tu commences bien, mais la fin de phrase n'est pas très, 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 très juste, souvent. C'est pas très sensible, mais ça est là quand même. Donc, il faudra faire très attention. Et pour ces heures, là, à ce stade-là, ça ne pardonne pas. Je te donne 7. 7. Merci. Merci, Jonathan. On poursuit toujours avec la chanson Weki. Et à présent, nous allons inviter notre ami de manga. Il s'appelle Kemtore Theodore. Wake no madu chonga, du chonga yo, logo mama. Waking on my doing you young mu doing you young yo, Jigger mama.
Dere Gwana Tikwani Diana Vie Tikwangu Dere Diana Tikwani Diana Vie Tikwangu Abamni Wae Bamatunga Ya Lana Kasika Baba Lana Kapaba Nigga Mama Kasika baba, lana kapaba, nige mama. Banywa balaga balaka na no, banywa yuti na yuti kana ba. Banywa bajega bajika na no, banywa yuti na yuti kana ba. Banywa balaga bajika na mo, banywa yuti na yuti kana ba. Banywa baduma bajika na no, banywa yuti na yuti kana yo. Je sais que Manga et Pau sont dans la même région, voilà, à quelques encablures. Est-ce que tu as vécu à Pau? Non, pas du tout. Il n'y a jamais mis pied là-bas. Et puis tu fais un gouroussi comme ça. Ouais, je vais. Bon, ça serait dans mes idées quand même. Je vais passer là-bas. D'accord. Vois ton topi. Voilà. D'accord. Amis téléspectateurs, c'était la prestation de Théodore avec la chanson Weki. Chers membres du jury, on vous écoute. Bonjour Théodore, félicitations pour ta prestation. Merci. Très belle prestation, la présence scénique, il n'y a rien à dire. C'est vrai que tu danses pas un peu comme Bill Akakura, mais ça va. Tu as essayé quand même et je pense que c'est ce qui est important.
Côté chant, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici, tu as un peu, je dis bien un peu, des petites difficultés sur la même chose que j'ai reproché à ton prédécesseur, les hauts là. Il faut, c'est pas très net, sinon on sent l'esprit, on sent que ça est là, mais il faut faire comme Bilaka Kora, quoi, pour que ce soit apprécié comme ça. À part ça, je pense que tu t'es bien débrouillé. Et pour ça, je t'encourage avec 8. 8. Merci. Juste à côté. Théodore, bon, je reviens encore. Peut-être qu'ils attendent encore une fausse note, mais bon. C'était super bien. Tu as dominé ton stress, ta timidité, par ta présence scénique. Ça, félicitations. Pour la justesse, il faut faire très attention, en fait. En réalité, tu as une très belle voix, tu as un beau timbre vocal, il faut trouver la bonne maîtrise pour pouvoir atteindre les notes. Pour ça, je te donne 8. 8. Monsieur Aloïs Nikema, on vous écoute. Alors, ce que je retiens, Théodore a eu un peu de problème dans les aigus, je dis un peu. Sinon, il a eu une bonne prestation sur scène. Il a eu l'initiative de danser, aller à droite, à gauche. Et puis voilà que ça a pris le public, qui est son chéri. Moi, je lui donne 8. 8. Merci. Merci, Théodore. Toujours avec Weki de Bilaka Kora, voici Déborah Zapsoré. Weki no mama duchenga, duchenga yo, logo mama. Weki no mama dunyunyugumu, dunyunyuguyo, jege mama. Ndere ngwana dukwanyi, jana uye. Do quavo dire jana do quani jana via do quavo abamni vai ba matunga we am lana kasika papa mulana ka papa ndo mama we am lana kasika papa mulana ka papa Thank you.
Kate Badonatic, Batic, Badurubaya, Uwewawe, Urawe, Nabuzano Badonatic, Batic, Badurubaya, Uwewawe, Urawe, no. Zapsoré Déborah avec la chanson Weki de Bilakakora. Alors, je vois le micro avec Yves Debemboula. On vous écoute. Je ne veux pas aller trop loin. Oui. Belle prestation. Super bien. Beau timbre vocal. Bonne attaque sur les nuances. Je donne 8. 8. Oui, Déborah. Belle prestation. Belle tenue, bonne présence scénique. 8. 8. Alors, pour une Bissa qui chante Kassena et qui danse Django, Déborah est à féliciter. Alors, une bonne présence scénique. Et pour ne pas trop prolonger, je lui donne 8. 8. Merci, Déborah. Amis téléspectateurs, on va retrouver les candidats dans quelques instants seulement. Et pour dire que la soirée se poursuit, nous allons encore oxygéner cette compétition avec une prestation artistique. Artiste du Burkina Faso qui vit dans l'Hexagone. Elle est là ce soir pour communier avec nous à travers cette première demi-finale de Faso Academy. Elle n'est plus à présenter. Tout simplement, c'est une renaissance. Adèle Rwamba, on l'accueille. Faya sucré, la sucre bala. Adèle Rwamba, renaissance. Et sans mina manéa, manéa, c'est pour faire doucement. Et sans mina manéa, manéa, c'est pour faire doucement. Va va polier la main, doucement. Manéa, c'est pour faire doucement. Va va André la main. Et sans mina mania, pas ni même si faut faire doucement. Et sans
On applaudit très fort pour Adèle Rwamba. Faut faire doucement son nouvel album Renaissance. Il y a un souci? J'ai pas entendu. Je suis sapée. Je suis pas sapée. Aïe. Bon, si je suis sapée, applaudissez pour moi. Merci beaucoup. Nous poursuivons toujours en musique, juste pour oxygéner, comme mon co-animateur Nixon l'a dit tout à l'heure. Et l'absente que nous allons recevoir tout de suite, c'est un ex-footballeur. Il dit qu'il est ex-footballeur et il s'est reconverti dans la musique. Une musique où il fait un voyage entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Et il est là avec le titre Orphelin. Et je vous demande d'accueillir tout de suite Radji. Radji pour vous. Merci. Sunda Sunda, Ewele Sunda, Sunda Sunda, Ewele Sunda, Sunda Sunda, Ewele Sunda, Sunda Sunda, Ewele Sunda, We Sunda We, 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 le soleil dans la nuit noire, oui, je te dis mon français. À ta zambé, à la nyanye, oh, nyamunde, je n'ai que ma voix pour te supplier de les aider. À ta zambé, à la nyanye, oh, nyamunde, je n'ai que ma voix pour te supplier de les aider. Déshérité, orphelin, enfant de la rue. SOS, je vous dirai les bêtes des filles. Non, 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 non. Sonda kibise yangu
way na sonda eso es paspanga sonda kimse yambuda way na sonda eso es paspanga sonda kimse yambuda way na sonda. Ils n'ont pas demandé à venir dans ce monde. Pourquoi ce maudit sort pour eux? Pour leur apporte, pour que la joie leur revienne et qu'ils vivent en harmonie comme les autres. Merci. L'artiste s'appelle Raji. C'est une production de chez Seidoni, notre partenaire que je vais vous demander de saluer par des applaudissements. Alors, je vais essayer de jouer au choriste, même si je ne sais pas chanter. Alors, je disais tout à l'heure, les musiciens s'installent pour la dernière partie de la compétition. Et c'était une surprise, parce qu'on ne l'a pas annoncé à la dernière émission des quarts de finale. Cette dernière partie sera chantée en duo, avec une chanson d'un artiste de renom, qui aujourd'hui est un grand nom dans le show business musical du Burkina Faso. J'ai nommé tout simplement Wango Roger. Et sa chanson Raga de Ouaga sera chantée ici en duo ce soir par nos candidats. Alors, j'appelle Jonathan et Elisa Baliza. Honorine pour le premier duo. Music, we are waiting for.
pieds dans la Sata Bunda. Ça c'est le raga de Ouaga. Ambiance, ambiance, ambiance dans Babylone. L'évaluation amoro, les bras taureaux. Dilipation. Les bras comme des dombas. Nadipasque. Les bras comme des dombas. Tira l'ipasla. Les bras comme des dombas.
Wow. C'était le premier duo. Et ce qui me plaît dans tout cela, c'est notre fanion, notre drapeau, pour dire que nous sommes fiers d'être Burkinabés. Cela s'applaudit. Alors, je n'ai plus grand-chose à dire. On va plutôt écouter les membres du jury, la note individuelle de chacun et ensuite la note collective. On vous écoute. Alors, une bonne complicité entre ces deux, une bonne présence scénique et un bon jeu d'acteurs sur scène. Ils ont eu beaucoup de créativité. Alors, moi, je leur donne à chacun 8. 8, 8. Et la note collective, 8. 8 pour la note collective. Pardon, pour la note collective, c'est 4 sur 5. 4 sur 5. OK, ça fait 8 sur 10. D'accord, on a bien compris. 4 sur 5. Yves de Bamboula. OK. Belle complicité. C'est vrai, vous vous êtes bien amusé avec le public, la scène. C'était super bien. Beaucoup de problèmes de justesse. Parce que c'est pas facile de chanter aussi dans des graves. Hein. Ça, je sais. Mais je suppose que pour l'avenir, vous allez essayer de revoir les choses. Donc, je donne pour chacun 3,50 pour la note de chacun. Sur 10. La note est donnée sur 10. Non, sur 5. La note de chacun. 3,50 à Jonathan, 3,50 à... Il y a un souci, parce que tout à l'heure, Aloïse a donné 8, 8 à chacun. C'est sur 10. Dans la note collective, c'est ce qui fait 5. Et la note de chacun, 5. Donc, le tout qui fait 10, n'est-ce pas? Non. Je pense qu'il y a un petit souci. Peut-être que Tombiano Damien va mieux expliquer. La note individuelle, c'est sur 10. La note collective, sur 10. Non. Il y a un petit changement au niveau de la demi-finale. OK. La note individuelle est notée sur 5. Sur 5. 5, voilà. OK. Et la note collective aussi sur 5. Donc, maintenant, ça fait que quand on regroupe les deux notes, oui, chacun a la note qu'il veut, qu'il a sur 10. Alors, donc si on revient avec Aloïse Nikema. Donc, dans le cas de M. Aloïse Nikema, oui, au lieu de 8 sur 10, comme il a dit, oui, c'est 4 sur 5 pour 4 la note. Pour sur la note, 5. Pour la note. Oui. Individuel. Individuel. Et 4 sur 5 pour la note collective, ce qui fait 8 sur 10. OK. C'est bien compris. Voilà. Alors, donc, pour... Maintenant, ce que je voulais souligner à mon collègue Yves de Bembola, oui, c'est qu'il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas 3,50. C'est 3 ou 4. C'est 3 ou 4. Voilà. Alors, donc, Yves, dites-nous. Alors... Je dirais qu'il y a un souci aussi, parce que dans les notes, on a dit sur 2, sur oui. 1, sur 0,50, sur 1,50. Donc, normalement, je peux avoir 0,50 aussi dans mes notes. Je suis désolé. Mais ce n'est pas un souci pour moi. Oui. Donc, pour Jonathan, oui, je donne 3. 3. Pour la note individuelle. Oui. Honorine, 3 pour la note individuelle. Oui, sur 5. Voilà. Et pour la note collective, je donne 4. 4. Et donc, ça fait 7. OK. Et pour finir, Damien Tombiano. Oui. Bon, j'ai bien aimé la prestation. Oui. Seulement, ce que j'ai un peu déploré, c'est les duos. Oui. Les polyphonies vocales que les deux artistes ont fait. Vraiment, à certains moments, c'était... À la limite désagréable. Oui. Et j'ai toujours dit ça, quand on ne sait pas faire la polyphonie, c'est mieux de faire l'unisson, parce que ça devient très pénible. Donc, pour cette faute-là, oui, sur la note commune, ils ont péché, donc ils récoltent 3 points chacun. 3 sur la note commune, je dis bien. 3 sur 5. 3 sur 5 chacun. Oui. Et la note individuelle, ils ont chacun 4. 4 pour la note
individuel. Voilà. Merci à vous, chers candidats. On va les raccompagner par des applaudissements. Bien nourris. Il me plaît de faire un coucou de passage à Afri Yelba qui nous donne l'information en temps réel sur les réseaux sociaux. Un coucou également à Burkini Mix sur sa page Facebook. Vous suivez cette émission en direct. On ne va pas oublier la page Facebook de la RTB et même la page YouTube de la RTB, là où vous avez Faso Academy en direct. Deuxième duo, c'est avec Théodore et Déborah. Les champions, les Camerounais champions.
les Ivoiriens champions là, les Maliens champions, les Gabonais champions là, les Nigériens champions, les Burkinabés champions. Observation. Merci. On a assisté encore à une belle prestation. Une belle prestation, bonne complicité entre les deux acteurs. Surtout une amélioration de la polyphonie. Voilà, la polyphonie a été améliorée. Et donc pour cela, pour ne pas trop tirer en longueur, comme on dit, individuellement, ils ont 4 chacun sur 5. 4 chacun sur 5. Et collectivement, ils ont 4 chacun sur 5. Ce qui donne une note de 8 sur 10. 8 sur 10 chacun. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas répéter ce que le doyen a dit. C'était super bien. Individuellement, 4 aussi chacun. 4 chacun. Et puis, la note collective, 4. Note collective 4, ce qui fait 8. Merci. Le coro. Alors, pour ne pas traîner dessus, alors, une bonne complicité, un bon jeu de scène, sauf que Déborah provoquait Théodore qui ne répondait pas toujours. Alors, ils ont chacun 8. 8 chacun. C'est 4-4. Ce qui donne 8 chacun. Merci beaucoup. On applaudit encore très fort pour tous les candidats de ce soir. Merci beaucoup, Théodore. Et on applaudit également pour le Django System qui nous ont accompagnés en live. Le temps que les membres du jury se retirent afin de revenir pour la délibération finale. Et pendant cela, nous allons souffler en musique. Nous allons souffler en musique et la personne que nous allons recevoir, c'est une personne connue. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on ne voit plus cette personne sur la scène musicale du pays. Je suis sûre et certaine que vous allez reconnaître l'artiste. Voici... sous vos applaudissements, Chadel. Yeah. Merci.
Sata Tunde Namana Wena Wena Bambo Songo Ogayon Tingam Pogam Namana Wena Wena Zen Luga Vigwanenga Zen Yena Paga Ayawa Nere Agrego taratunde Uguna vwima Lebgaladu Sentaru ligdam Foya wasido Neba fa wata fonenga Fosenta taru dare Ubzeta meha Fole gabino Wanaba Académie, merci. Merci à Chadel. On the run. Merci de l'applaudir encore, s'il vous plaît. Yes, sir. It's a pretty welcome. Merci beaucoup. Thank you, bro. Merci. No. Yeah, I like no, it. No, you got it. All yeah. The time, you know. Thank you. We like, together. I like your voice. Yes, I know. Yeah. No. The voice of God, you know. Yeah, the voice of God. Oh, God. Thank you. How you feel?
Yes, I, we're together. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va le raccompagner par des applaudissements bien nourris. Alors, une autre fenêtre musicale. Autrefois, elle était danseuse. Elle a poursuivi son petit bonhomme de chemin. Elle est passée partout, même au-delà de nos frontières, dans la danse contemporaine. Aujourd'hui, elle se lance dans le chant à travers un album, le tout premier, un album de 9 titres qu'elle va mettre sur le marché. À travers ce titre qu'elle va chanter ce soir, chers téléspectateurs, elle est en featuring avec Emile le chanceux, mais là, elle est là avec ses danseuses. Elle-même danseuse, je vais vous demander d'accueillir le son. Touchez, touchez, l'artiste, c'est Mary. On l'accueille. Monsieur le prophète, allez tout seul là-bas, tout seul est sommé. On va toucher le sommet, le caisse à manigui sabato, on va coincer le côté, Patrick Malo, toucher, toucher, on va toucher là, toucher, toucher, on va provoquer le bonheur, il mit l'homère, il faut toucher, toucher. Voilà, c'était Mary. Et où est à l'instant. Sunda, sunda. Public, je veux entendre des applaudissements. Alors,
C'est tout, il faut dire que nous arrivons comme ça à la fin de la compétition. On a vu trois prestations de nos quatre candidats de ce soir. Je vais vous demander encore de les encourager parce que ce n'est pas facile. C'est vrai que à l'entame de l'émission, on a dit que nous allons encore prôner l'excellence avec les cinq meilleures moyennes pour la finale. Micro. Micro, merci voilà. Beaucoup. Merci. Et je sais en tout cas que c'est un moment très, très difficile actuellement pour les quatre candidats ici. Oui. Parce que c'est le moment où il faut attendre le verdict des membres du jury. Oui. Ouais. Et je sais que dans peu de temps, les membres du jury vont venir nous donner leur verdict, comme tu l'as dit. Mais je pense qu'on va profiter de ce temps pour remercier encore nos partenaires. Exact. Ceux-là même qui nous accompagnent depuis le début de, on va dire comme ça, cette belle aventure face aux académies. À travers ces vidéos qui vont suivre, on va remercier nos partenaires. Ben, nous avons déjà voilà, Onatel, il y a Onatel SA. SA, et oui. Donc nous leur disons merci oui. Parce qu'ils sont là avec nous depuis le début. Mais seulement, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai que nous remercions les partenaires, oui. Mais à chaque fois, ils viennent, ils donnent les sacs là aux candidats. Les gadgets, oui. Mais nous, vraiment, je ne comprends pas. Hein. Bon, je pense que ou bien nous aussi, on doit chanter pour gagner. Le message est passé. Ah, on n'a qu'à chanter. Nixon, ils disent de chanter. Non, non, non. Il ne faut pas gâcher la surprise. Non, non, je n'ai pas dit. Ils disent, ce n'est pas moi qui ai dit. Non, mais on va laisser. Quelle surprise? Il n'y a pas de surprise. C'est eux qui veulent qu'on chante, non? Non. On ne va pas chanter? Oui. C'est eux qui vont chanter pour nous. Voilà. 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 Il y a des gâchés pour tout le monde parce que l'Onatel SA ne faillit pas. On applaudit pour eux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il n'y a pas que l'Onatel, il y a aussi Seidoni Productions avec la lumière et le son. Je vais entendre les applaudissements. Vous avez vu Somaf également, qui fait dans l'électronique. Ils sont avec nous. Je vais vous demander de faire un vibrant applaudissement pour Somaf. Et je voudrais vous demander surtout d'applaudir pour tous ces techniciens qui sont derrière, que nous ne voyons pas, mais qui, grâce à eux, nous sommes là et nous sommes en direct sur les antennes de la TNB, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'assez tôt, on va appeler nos quatre candidats à nous rejoindre sur la scène. Elisa Baliza, Honorine, Ouedraogo, Jonathan, Kem Toré, Théodore et Zapsonré, Déborah. Qu'est-ce qu'on fait? On les applaudit, s'il vous plaît. Ils nous ont offert un beau spectacle ce soir. Alors, ils méritent encore vos applaudissements. Oh là! Je pense que je fais bien. Est-ce que Onatel a prévu quelque chose? C'est sûr. On va profiter remettre les gadgets Onatel SA à ces quatre candidats. L'hôtesse arrive. Parce que dans quelques allez-y. Instants, on va connaître le palmarès. Un bisou. Merci à l'Onatel. S.A. Bon, là, c'est Théodore. Mais j'espère que au sorti de cette émission, l'armée va pas nous créer des problèmes. Ou bien c'est... Ah bon, d'accord. Tu as peur, non? C'est pas moi qui porte la tenue, en tout cas. Alors, je vois les membres du jury sont là. Yves de Bemboula, Aloïs Nikeman, nous sommes à vous. Oui, nous sommes à vous. D'accord, et nous attendons Saint-Dame. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oui, Saint-Dame, c'est son nom d'artiste, sinon c'est Damien Tiombiano. Oui. Oui, Nixon, je t'écoute. Alors,
le palmarès de ce soir. Première demi-finale de Faso Academy édition 2017. Bien. Avant de donner le palmarès, comme nous avons l'habitude de le faire, au nom de mes collègues, membres du jury, et à mon nom propre, oui, je félicite d'abord les candidats. Et je tiens à relever qu'ils sont d'un niveau extrêmement élevé pour cette compétition. Ça s'applaudit, hein? Merci. On sent qu'ils ont fourni des efforts, on sent qu'ils ont travaillé, on sent qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et ça se ressent dans les notes parce que il y a un premier et trois ex-aequo. Waouh! Un premier et trois ex-aequo. Vous comprenez que c'est très, très, très serré. Waouh! On vous écoute. En fait, rien n'est perdu et rien n'est gagné. Oui. Un premier et trois ex-aequo, si les moyennes de demain sont plus fortes, ça chamboule tout. Donc, rien n'est perdu, rien n'est gagné, comme je l'ai dit. Et une fois de plus, je dis vraiment, je tire mon chapeau aux candidats et je leur dis qu'ils sont sur la bonne voie. Oui. S'ils savent écouter et puis ils savent vouloir apprendre, ils pourront aller très loin. D'accord. Voilà. Donc, je vais commencer par les ex-aequo. Oui. Pour finir en beauté, comme on dit. Donc, ex-aequo avec 15,33 de moyenne. 15,33 de moyenne sur 20. Jonathan Ouédraogo. Jonathan Ouédraogo. Ensuite, même note, 15,33 de moyenne sur 20. Kiemtore Théodore. Kiemtore Théodore. Encore, même note, 15,33 sur 20. Elisa Baliza Honorine. Elisa Baliza Honorine. Et enfin, avec 16 de moyenne. 16 de moyenne. 16 de moyenne sur 20. Zapsoré Déborah. Zapsoré Déborah. Zapsoré Déborah ce soir. Amis téléspectateurs, tout est bien. Merci beaucoup. Qui finit bien, on va le dire. Le rendez-vous est pris pour demain, 21h en direct sur les antennes de la RTB pour la deuxième demi-finale de Faso Academy 2017. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonsoir chez vous. Merci.